Jeanne, va-t-elle réussir à prendre son métro si elle tombe sur cette peau de banane? Que va-t-il se passer? C'est la question du destin. Cela peut changer une trajectoire de vie à tout jamais. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Jeanne, mais de Geoffrey. Geoffrey, qui pour son 48e recyclage, va comme les hommes, changer de vie.